Aujourd'hui, on va faire notre deuxième tuto de comment créer votre chaîne. On l'a déjà fait. Là, c'est comment paramétrer votre chaîne. Mettez le photo de profil. On l'a déjà fait. Et aujourd'hui, on va tout simplement ajouter une autre photo, ce qu'on appelle déjà quoi? Voilà, on va ajouter ce qu'on appelle photo de couverture. Ma chaîne, il est là. Le premier tuto, s'il y en a une personne qui ne l'a pas vu, il peut s'attacher au service de ce tuto. Je fais ce tuto si la personne le regarde aujourd'hui. Il sait le nombre de personnes qui étaient abonnées ce jour-là. Et aujourd'hui, vous voyez directement le nombre de personnes. Alors, cela va vous dire directement aujourd'hui, c'est le 9. Alors, non, non, je l'ai fait le 9. Aujourd'hui, c'est le 11. Et si vous voyez la différence entre le nombre des abonnés, le 255, mais aujourd'hui, on a à 260. Mes amis, ça passe très bien. C'est une formule magique que je vous enseigne. Personne ne peut pas directement vous enseigner autant. Je vous aime tout simplement. Alors, mes amis, sans tarder, vous venez juste ici. Je veux changer seulement de compte, selon laquelle le profil n'est pas encore ajouté. Et là, boum, voilà, celui-là, le profil n'est pas ajouté. Comment on peut voir directement? Il y a le photo de profil, mais le photo de couverture n'est pas là. Et si vous regardez très bien, vous pouvez voir que il n'y a pas de photo ici. La plupart d'entre vous, vous souffrez énormément beaucoup parce que dès que vous venez là, venez ici, vous cliquez ici pour ajouter une photo et ça va vous faire quoi? Ça va vous faire quoi? Il n'y a rien de hasard. Ça va vous dire directement que cette image, voilà, la photo importée est trop petite. Elle doit faire au moins 2048 pixels de largeur et 1152 pixels de hauteur. Alors, comment remédier à cela? C'est ça la question. On va remédier tout simplement à cela. Mais comment on va le faire? On va aller regarder la photo en question. La photo, il est parfaitement ici. On va cliquer par exemple là. On va y aller tout simplement et ouvrir directement à Paint. Voilà, dès que on a cliqué là, on doit venir ici redimensionner la photo. Ici là, vous voyez pixel, et sans oublier de cliquer ici pour décocher directement là, et on va tout simplement redimensionner, mes amis. Alors, on a dit directement 2000 combien 48. Et sans oublier que ici il y en a 1142. Voilà, et après on clique là et l'image doit se faire ce genre de truc comme ça là. Vous voyez ça, ça c'est votre image. Alors là, ça c'est la taille complète de l'image. Et du coup, vous pouvez directement cliquer ici enregistrer sous, c'est-à-dire qu'on va enregistrer celui-là à côté, à part, et l'autre là-bas à part, comme ça là, il n'y aura pas de quoi. On le laisse directement à image, il y en a, le fichier il est là, on clique directement ici, tranquillos. Voilà, c'est fait. On va revenir directement ici, on va prendre notre deuxième photo là. Il se trouve ici, c'est logis, il est là. On va le sélectionner, on va tout simplement le balancer et là, le tour est joué. L'image est parfaitement très cool ici là. Vous voyez, il y en a plusieurs images, on n'a pas le temps d'améliorer automatiquement, etc. On peut directement cliquer ici si on a besoin d'améliorer
Et on clique tout simplement ici, ça va charger la photo et boum. Mes amis, vous voyez déjà, tout est là-dedans. La photo est là. Bon, vous pouvez aussi le améliorer pour que tout ce que vous avez écrit, ça se trouve ici. Ça, il n'y a pas de quoi à s'inquiéter là-dedans. Alors, ce qui est sûr, l'objectif, c'est ça. Alors, je crois que vous avez apprécié ce vidéo et moi-même, je suis franchement ravi de vous avoir directement montré comment mettre ce genre de travail. Il suffit seulement de venir ici. Ne oubliez surtout jamais d'aller directement redimensionner votre photo. Pour ce faire, on clique là, on vient directement ici, on décoche là, on met directement les informations, boufle tout et jouer. C'est bien, c'est fait. Je crois que c'est fait et ça vous a. Si ça vous donne directement envie, ne oubliez surtout pas, abonnez-vous sur ma chaîne. Ne hésitez surtout pas, je suis là. 5 sur 5, l'éducation, c'est tout ce qui me porte en ce moment même. Alors, on se dit à tout de suite. Il y en a aussi les tutos. N'oubliez pas que on a énormément beaucoup de tutos à faire. Regardez les tutos d'aujourd'hui. Ça se trouve aussi dans notre chaîne. Alors, merci. À très bientôt. On aura d'autres tutos d'ici peu.